Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo 25 faits à propos de moi. Parce que en fait je me suis rendu compte que je m'étais pas vraiment présentée en fait. Et donc voilà, comme ça vous allez savoir un petit peu que je suis mieux, tu vois. Je fais du sport tous les jours. Sauf un jour dans la semaine où c'est mon jour de repos. Mais sinon tous les autres jours je fais du sport parce que j'aime beaucoup ça. Deuxième, c'est que j'adore l'odeur de l'essence. Troisième fait, je suis en terminale S. Même si ça se voit pas trop. En fait la plupart des gens qui me voient ils croient que je suis en STMG, en ES, tout ça. Mais pas en S, donc voilà, non, je suis en S. Voilà, je suis un petit peu intelligente comme ça, vous voyez. Allez. J'ai refait ma chambre toute seule en une semaine. Donc j'ai repeint les murs, j'ai posé mon parquet, j'ai tout refait. J'ai monté mon dressing. Bon pas toute seule, là ma soeur m'a aidée. Mais sinon le reste j'ai tout refait toute seule. Et voilà, je suis plutôt contente du résultat. Je parle anglais presque tous les jours, donc que ce soit parler comme ça, genre par exemple, je décris ma journée à moi-même en anglais. Avoir plus de vocabulaire, vous voyez, parce que des fois je vais dire un truc en anglais, sauf que, enfin, je vais décrire ma journée, et sauf qu'en anglais je sais pas le dire, du coup après je vais chercher le mot, et après du coup je sais le dire, donc ça fait du vocabulaire en plus. Ensuite, je parle aussi souvent en anglais avec ma soeur, avec mon père, et avec ma belle-mère, et mon beau-frère, et ma belle-sœur. Sixième fait, je suis totalement accro aux séries américaines, et même les émissions américaines, c'est fou. Ça, c'est un truc que je regarde depuis pas longtemps, des émissions américaines, mais genre j'aime trop. Genre, comment ça s'appelle? Are You The One? Et ensuite, j'ai regardé un peu dans le même style, c'est The Challenge, Battle of the Axes, et c'est trop cool. Enfin, genre, c'est trop drôle, il y a des défis et tout, enfin bref, c'est cool, moi j'aime bien. J'ai une guitare depuis au moins 4-5 ans, mais je sais toujours pas y jouer en fait. Genre, je suis tellement nulle, c'est un truc fou. Huitième fait, je déteste lire. Je n'ai jamais fait de ski de toute ma vie entière. En ce qui concerne mes cheveux, je suis passée par le noir, le brun chocolat noir bizarre, le blond platine. Et du coup maintenant j'ai un peu une sorte de tie and dye bizarre. Mais en fait c'est le reste de ma coloration blond platine qui a... Enfin mes cheveux ils ont poussé et donc ça m'a fait genre un petit tie and dye quoi. Je déteste le lait. Ma belle-mère et mes beaux-frères et belles-sœurs sont chinois. Je passe ma vie entière sur YouTube, c'est un truc dingue. Je peux y aller vers 23h à 2h du mat, je suis encore là. Je ne mange aucune viande à part le poulet. J'ai un gros problème d'articulation dans les phrases comme les chaussettes de l'archer du j'arrive pas. Les chaussettes de l'archer du chèche sont-elles sèches, archi sèches. Je n'ai pas bu de Coca-Cola depuis la 4e. J'aime beaucoup danser. Mais le souci c'est que je sais pas danser. J'ai fait du basket pendant 7 ans. Je ne me suis jamais cassé aucun os. Quand j'étais petite, ma sœur m'a raconté une histoire. Vous savez les histoires qui font peur qu'on se raconte quand on est petit. Et suite à ça, j'ai pas pu regarder sous mon lit pendant au moins 2 ans. J'ai pris le biberon jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais en fait, je le prenais parce que c'était hyper pratique quoi. Ma mère me l'emmenait le matin dans mon lit et puis je buvais et puis ciao, tu vois. Donc voilà, j'ai la peine de me lever pour prendre un petit déj. Normal. Quand j'étais petite, j'ai fait l'expérience de mettre du Maggi dans le Nutella. Et puis mon père, en tant que punition, m'a obligée d'en manger. Et c'est pas bon du tout. Franchement, n'essayez même pas. Ne tentez pas, hein. C'est dégueulasse. J'ai fait mon piercing au nombril dans le dos de ma mère. 24e fait, j'aurais vraiment voulu avoir les yeux marrons. Je déteste avoir les cheveux attachés. Pourquoi? Parce que en fait je trouve que j'ai les oreilles décollées. Donc je vais vous montrer. Attention. Magnifique! Regardez, quand j'ai les cheveux attachés, en fait,
Mais on voit que mes oreilles et je supporte pas. Du coup, je préfère les avoir détachées, comme ça je peux cacher mes oreilles avec. Alors j'espère que vous avez appris à me connaître un peu mieux, hein, avec toutes mes bêtises, etc. Enfin bref, voilà, partageons un petit peu. Sur ce, vous pouvez aller me suivre dans les liens qui sont dans la barre d'infos, donc sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner ou laisser des pouces en l'air, ça fait très plaisir. Et je vous vois, oula. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des très gros bisous. Bye.